Hello tout le monde, nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizons. Aujourd'hui, défi contre Cidaioxy, on va sur une île mystère. On va essayer de récupérer un maximum de choses, un maximum de ressources pour les vendre. Et le défi, c'est évidemment d'en tirer un maximum de clochettes. C'est parti. Vas-y, prêt? Vas-y. Feu, go. Allez, hop, hop, hop. Oh, il y a un ours avec un... avec un truc rose. Ah, ça veut dire qu'il reste encore des places sur ton île. Ouais, plein. Bah, j'ai deux habitants. Ah ouais, d'accord. Ah, mais t'as commencé quand exactement? J'ai pas de pelle. Oh putain. J'ai commencé, tu vois. En fait, des premiers streams, j'ai fait que des resets d'habitants. Ah, pour les deux premiers? Ouais, c'était ah, ça, c'est, ça, c'est, ça prend beaucoup de temps. Enfin, c'est compliqué quand même. C'est une galère. Bon, bah là, on fait un vraiment très très bon départ, quoi. Là, vraiment, bon départ. Je sais pas trop comment m'organiser, ça, la première fois que je fais ça. Ouais, bah t'inquiète, on est pas obligé de tout optimiser. Hein. Moi, déjà, j'achète deux pelles. Hop. Ouais, déjà, t'as bien fait d'acheter deux direct, histoire de pas avoir à y retourner. C'est ça. Et c'est quoi les trucs de pelles en or et tout? C'est des trucs qui se cassent pas? Non, si, ça se casse, mais ça met beaucoup, beaucoup plus de coups. Ok. Après, je sais pas c'est combien exactement. Mais, genre... ça mérite une pépite d'or pour... genre, la pelle en or, c'est tellement pratique qu'elle se fait jamais, quoi. Ouais. Salut, Totopat. Date, hein. La pelle en or, elle se pète jamais? Parce que c'est chiant de devoir refaire ces trucs à chaque fois. Si, si, elle se pète, mais genre, au bout de... je crois que ça doit être 500, un truc comme ça. Enfin, donc, d'ici qu'elle se pète, quoi, t'es tranquille. T'as le temps de... alors, moi, là, j'ai une vieille île. À un moment, j'ai une île, gros, j'ai eu que mon fruit qui venait pas de chez moi. Alors, en vrai, je pourrais complètement baiser le game et faire la technique des esturgeons parce qu'il y a une méthode avec l'appareil photo pour forcer des spawns à un endroit précis dans l'estuaire. Et cette île-là, elle est parfaite pour faire ça. Je vais pas le faire parce que sinon, ouais, c'est craqué en fait. Sinon, j'aurais juste à faire quelques esturgeons et je gagne en jouant en 4 minutes en fait. Mais je vais pas le faire parce que sinon, ah ouais, c'est bien. Ce serait craqué un peu. Toi, t'aimes bien t'amuser en général ou t'es plus un gagnant, quoi? C'est ça les vraies questions qu'on se pose. Bah oh, non, j'ai un papillon, gros. Ça va, je suis sympa là. J'ai un papillon, c'est un grand planeur. Moi, je suis hémisphère sud, du coup, j'ai pas les mêmes poissons et pas les mêmes insectes exactement. Moi aussi, je suis hémisphère sud. Ah ok, bah parfait alors. Du coup, c'est fait. Du coup, c'est parce que j'en ai parlé ou c'est parce que tu t'es fait un kiff? Non, c'est une meuf, elle m'a dit fais ça comme ça, t'as des requins, mais j'ai pas pêché du tout, donc j'ai jamais de requins. Du coup, c'est encore pire, tu vas devoir attendre un an. Non, mais je vais time travel, moi je suis un mec comme ça, tu vois. Ouais, je vais aller chez des gens, et voilà. Hop. Allez, j'ai de la boue. Hop. Je pense là, je suis au moins à 15 000 clochettes là. Je pense pas. À mon avis, tu mords. À mon avis. En vrai, j'ai fait des trucs, ça va rien. J'ai ramassé pas mal de mauvaises herbes, mais. Yes. Enfin. Vraiment c'est de pas la merde, je pense. Oh non, un œuf. C'est 200 l'œuf. Ouais, mais le temps que tu passes à pêcher un poisson, t'auras pu pêcher un truc qui rapporte plus. De valeur, tu connais des causes. Ouais, c'est vrai. Je pense que ça s'échange vite. Ah gros, mais pêcher gros, c'est tellement pas pour moi, merci Babel. Non, j'arrive pas. Genre, le fait de se dire je vais avoir un truc que j'ai pas et tout, ça te chauffe pas? Non, le fait de bien juste mettre la ligne, quoi. Ah ouais, donc, d'accord. C'est comme la pelle, j'ai grave du mal. En plus, tout ça pour avoir un vieil œuf, mon frère, j'ai super mal. ma canne à pêche, elle est cassée. Putain, mais on sent que j'ai été préparé pour ce challenge. Ah, moi j'ai pris des outils tout neufs. Mais toi, t'es un tueur aussi. Oh bah, tôt, hein. Bah ouais, t'as raison. Ah, du coup, j'ai rien capté. Bah, je te disais bisous, frérot. La musique des îles, elle est tellement reposante, c'est 3 grammes. Moi, j'aime bien les petites îles. Mais avant, c'était des îles où tu pouvais avoir. Là, les requins. Là, déjà, je dois réfléchir à ce que je fais sur mon stuff parce que j'ai que ma 4ème île qui est pas remplie. Donc, déjà, là, je vais faire comme si j'avais que 30 places. Donc, je vais devoir déposer tout de suite. Non, au pire, tu t'en fiches, tu fais le. Si, bah si, parce que c'est pas marrant, quoi. Sinon. C'est la triche, ok. Qu'est-ce que je dépose? Non, les pommes, je vais garder. J'ai besoin d'un outil. Œuf terrestre, ça n'aurait pas assez. C'est intéressant. Branche, ça vaut pas assez. Pour l'instant, je vais garder ça. Alors, j'ai pris un cocotier tout entier. Je sais pas si ça va être vraiment intéressant. Genre quoi, tu l'as cassé et tu l'as chopé? Non, je mange un fruit et
Ah oui. Et je le déterre et du coup je vais vendre directement le cocotier lui-même. Ah oui, mais toi t'es. T'es dans le turfu, mon frère, je vais pas te mentir. Hein. Ah, on a quelques connaissances quoi. C'est vrai, on sent qu'on a pensé le jeu. Il y a encore, hein. Hop. Et encore, je vois sur des streams quand il y a un peu des concours, visiter l'île, mon île elle est ouf et tout. Déjà, oh, j'ai un truc. Déjà, je vois les îles des gens et ensuite je vois leur temps de jeu et je me dis qu'en fait je suis en une petite bite par rapport à eux quand même. Moi, dès qu'un mec il a des chemins sur son île, je me dis il est meilleur que moi. C'est ça. Genre, c'est le l'indice. Ah ouais. Genre, tu peux voir que 4 carrés de son île, tu vois deux trucs qui sont pas le sol habituel. Ouais, déjà bien joué, frérot. Moi, tu mets un chemin, je fais allez, ça y est, il est trop fort. Ça y est, il est trop fort. Allez, je pêche. J'ai fait fuir le poisson. Oh là 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 là. Je te sens puissant quand même, Ariane. Je sens que tu maîtrises un peu. Bah là, en fait, je sais pas trop. Là, justement, le fait d'avoir déjà l'inventaire plein, je dois faire des choix et je sais pas trop parce que je me rappelle pas du prix de tout, quoi. Ouais, normal. Bah moi, ce que je fais, c'est que généralement, quand je sais pas, je vire les trucs un peu éclatés. Alors ça, c'est un truc important aussi, c'est quand tu fais le caillou. Faut que tout soit. Genre, faut enlever les mauvaises herbes et tout. Parce que sinon ça peut pas bomber dessus, ouais. Ouais. Bah, c'est comme pour les arbres, quand tu fais tomber les fruits, c'est censé tomber sur la case qui est en bas, la case qui est à gauche, la case qui est à droite. Et si elles sont pleines, alors ça peut être reporté après. Mais pas trop loin non plus. Donc, des fois, tu peux avoir un fruit, il pop juste en dessous de l'arbre. Ouais. Et en fait, il disparaît. Parce qu'il n'y a pas de case où il peut atterrir. Pas pratique. 6 minutes 30. Il reste 6 minutes 30 ou on a fait 6 minutes 30? Ouais. On a fait 6 minutes 30. Ah ouais, ça va. Ça va, ça. J'ai un petit truc que je te dirai après et qui, à mon avis, est trop clutch pour un défi comme ça. Et Salvateur. Où est-ce que je le prends, ce truc-là? C'est un ourson, un ours blanc avec un truc rose sur lui. Mais c'est un malade, lui. Il est fou. Ah, le... Je sais plus comment il s'appelle, mais ouais, il y en a une sacrée gueule. Hein. Oh non. Oh là là. Oh là là, mais l'appel c'est pas pour moi. Hein. Ah. Ok, là on va faire full poisson. Il est marrant le nounours quand même, hein. Mais bon. J'aime pas trop ses cheveux. Motif de rupture tiré. Hop là. Oh let's go. Oh let's go. Je viens de drop un truc là, je te dirai après. Et ah. C'est un. C'est le batteur. C'est un. Ouais, c'est clutch, c'est trop clutch. C'est clutch, aïe. Ah ouais. Moi j'ai un œuf là. C'est clutch aussi là ou pas? Je pense pas, non. Bonsoir, non. Non, je pense un peu de la merde. Je vais être un peu honnête avec ta chance, ouais. Ouais, merci en tout cas. Un citrin, bah yes. Au moins 20 clochettes. Hop, hop. La guêpe, ça vaut 2500. What, 2500 la guêpe? Ah ouais. Ah bah là, c'est bien. Hein. Là, moi, je pense que t'es très très bien. Ah bah du coup, on j'ai fait deux trucs très importants du coup pour ce challenge que tu peux faire sur toutes les îles, quasiment toutes. Ah ouais. Est-ce que t'as mis Attends, j'ai vu un mec, il a essayé d'avoir une mouche. Il m'a dit il avait mis des détritus dans sa ville. Bah je sais que ça marche sur les navets, mais la seule mouche que j'ai vue, je l'ai fait fuir sans faire exprès, donc bon, pas très malin. Mais... Moi j'ai un truc, je l'ai jamais eu là. Question, si on trouve un fossile, on a le droit d'aller le faire examiner avant de vendre. Ouais. Okay, exactement. Ok. Ah ouais, donc c'est le côté un peu... c'est l'inconnu, quoi. Bah bien sûr, on essaie d'être en aventure, quand même. Ça se trouve, c'est une vieille mousse qui coûte 200, ça se trouve, c'est un crâne... Attends, mais il y a un truc, hein. Mais il y a des fossiles qui valent très très cher ou pas? Ouais, il y a des trucs qui valent genre 5000, hein. Donc c'est clutch, hein. Ah ouais, c'est pas mal. Ah mais je suis con, j'avais mes pommes qui étaient déjà dans mon stock à la base. Bon, tant pis, je virerai le stack de pommes qui était dans mon inventaire à la base. Salut tout le monde. Je suis avec Haricot. Attends. Haricot qui est en train de m'éclater ma rage, je vais pas vous mentir. On n'a pas encore fait les comptes, hein. Je sais pas, hein. Moi je vois pas, ouais, pas ton écran, hein. Attention. Ah j'avoue, il y a les rochers à clochettes qui sont trop forts pour ça. Si t'es sur un rocher à clochette, tu te mets trop bien. Salut Antonito. Ça va quoi? Ouais, c'est un motif le truc de Connor. C'est un truc modifié, un truc perso. Attends, j'ai fait ce rocher là ou pas? Je sais même plus. Ou alors j'ai juste pas pété.
Ah, moi j'avoue, j'ai des. Aïe aïe aïe, il a encore des ressources. Il a encore des ressources, le Harry. Ah, j'ai encore des cordes à mon arc. Ah là là, vous suivez vraiment le meilleur youtubeur Animal Crossing du monde. Moi je vous dis. Oh, ça mérite 10 ans. Dans une minute, j'ai une vidéo où j'ai passé toute ma journée sur une vidéo de 4 minutes et je me suis dit, vas-y, je vais refaire le truc bien. Je vais dire, ouais. Je vais dire aux gens de s'abonner au début de la vidéo. Genre, tu sais, faire les trucs qu'il faut faire pour bait que je fais pas d'habitude. Ouais. Je me suis dit, je vais tout faire bien ça aujourd'hui. Pareil pour la miniature, j'ai mis ma gueule sur la miniature, truc que je fais jamais. Genre, un petit test quoi. Pour voir ce que ça va donner. Ouh, grand planeur, c'est merci sympa, beaucoup ça. Pour les 2€ 1K. Ouais, mais c'est vrai, mais moi là j'ai essayé de faire un petit best-of, c'est la première fois que je faisais ça. Et ben j'ai kiffé. De quoi sur. Juste sur AC Animal Crossing. Ouais, bah en même temps, c'est tellement. Le jeu s'y prête tellement. Ouais, parce que c'est plein de petites actions très stylées quoi. Et je me suis fait un kiff à la. Je m'étais habillé en Jotaro. Ah, mais j'avais les fringues dans la boutique. Ouais, mais on me les a donné, t'inquiète. J'avais fait une petite musique où je mettais la musique du jeu en mode. Petit truc de caméra, ça bouge, ta, une petite folie. Oh, c'est quoi ça? Un gobi d'eau douce. Alors, je te le dis, ça vaut pas trop cher, le gobi. C'est mon frérot, le gobi d'eau douce. Hop, hop, hop. Tac, 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 tac. 4 minutes, il reste. Ok. Là, moi, je pêche. C'est tout ce qui me reste. Ouais, je pense que là, on arrive tous les deux au moment où on a envie de pêcher, ouais. C'est une petite ville, j'avoue. Petite île pas ouf hein, que j'ai eu. Hein. Mm-mm. Tous les poissons, c'est fou, ils sont dans la rivière. Je sais pas si les fleurs, ça se vend cher. Je sais pas, je me rappelle pas. Là, c'est les cosmos que j'ai, moi, perso. Oh, le Vivano. Le Vivano, c'est le rouge. 3000, ouais. Ah ouais. Vivano, c'est le frérot. Ah ouais. Antonito, ça va. Là, je suis avec Harry. On fait un petit jeu de l'île que j'avais fait. Mais j'ai pas le level, quoi. Oh là là, Scarus, je suis désolé, mais j'ai plus rien. C'est vrai. J'ai des trucs trop bien, là. Oh, il y a encore un énorme, alors. Arrête de me ridiculiser publiquement, j'ai que des barres communs et des œufs. Franchement, ouais, j'ai de la chance, c'est tout. Mais t'as raison, frère. Moi, j'essaie juste de bien mettre le truc de pêche. Barre commun, moi aussi, tu vois. Ouais. Ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Encore un barre commun, yes. Ah non, un bar, pardon. J'étais malaisant. Tes poches sont pleines. Le bar, je crois que c'est 150, comme ça. Ouais, c'est ridicule. Hein. Je vais virer, le bénitier géant. Ah, alors je te le dis, le bénitier géant, il vaut pas mal. Hein. Je sais pas combien exactement, mais c'est un des coquillages qui vend le plus cher. Merde. Ok, je le garde. J'ai fait fuir un poisson, c'est pas grave. Donc ça, j'en aurais plus besoin. Lâcher. Après, je sais pas ce que t'as d'autre, tu vois, donc je peux pas te dire... T'inquiète pas, mon frérot. T'inquiète pas. À la place de quoi? Un œuf. Je veux un outil. Là, moi, dans ma vie, j'essaie de me créer un petit cabinet de podologie. Parce que le métier me manque tellement, gros. Je jure. Là, j'ai trouvé un squelette, j'ai trouvé un mannequin avec les armes. Je pense que tu peux faire une vraie petite ambiance. Ça, les gens, ils viennent à ton cabinet sur Animal Crossing. Hop là. Un. 2. Bonjour Lucas Pandaro, merci Babel, merci à tous ceux qui sont abonnés. Plus rien d'œuf. Eh, moi je vais même pas avoir 1000 clochettes en fait, c'est ça ma vie. Je t'attendrai un peu. Bah ouais, moi j'espère parce que là c'est la crise. Comme en Coupe de France, je te ferai une partie de la recette. Merci mon frère. Ça fait plaisir de savoir qu'on peut t'acheter quoi. Hop là, petit poisson. C'est quoi ça? Carassin. Il reste une minute. Ouf, oh bah attends, je vais devoir gérer mon stock là. Une minute. Je vais devoir être stratégique. Je sais même pas ce qu'il faut cher en fait. On branche de corail, ça part. Allez hop. J'ai pas eu un seul requin quand même, c'est triste. Hein. Toi t'es les requins direct? Bah ouais, j'ai commencé hémisphère sud, enfin je suis hémisphère sud donc forcément. 40 secondes. Ok, j'ai temps pour un poisson encore. Ok, donc la ligne du bas on va pas la compter. Ok, ah. Hippocampe, bénéf, ça c'est un peu de thune. Oh bien ça. C'est 1000 pour un truc en minuscule, c'est pas mal.
Merci Steph. Entre Steph. La boue, c'est... En fait, je sais pas. Les vieilles branches, ça n'a pas d'autre. L'argile, tu veux dire. Quand tu dis la boue, ouais. Je pense que c'est l'argile. Ouais. Excuse-moi, j'ai pas les terminologies adéquates. 10 secondes. 10 secondes, ça se joue sur le lancer. Hein. Voilà. 4 secondes. 6. 5. 4. 3. 1. 2. 1. Ah, je l'ai pas. Je lève les mains. J'avais des... Ouais, moi aussi. J'étais déjà dans le... Enfin, j'avais déjà pas ferré, mais j'avais même carrément capturé la perche jaune. Il y avait juste le dialogue qui se lançait. Du coup, je drop ça, puisque c'est en trop. Oh, tu me fais éclater la famille. Et là, ça aussi. Grave. Voilà. Bon, j'ai la canne à pêche okay. Sur moi, mais on va pas la vendre, évidemment. Ils m'ont filé, donc j'ai deux slots qui ne se vendent pas, mais ça devrait aller. Tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Je vais m'éclater. C'est vrai, il y a une différence de niveau quand même. Non, il y a une différence de niveau. Je remarque qu'il y a une différence de niveau. Parce qu'avec Volt, franchement, Volt, il est tellement nul. Volt, c'est vraiment le mec le plus nul à Animal Crossing. Il est nul. Il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas de niveau sur le jeu. Mais si, attends, t'es joueur professionnel sur tellement de jeux. C'est normal que sur Animal Crossing, tu sois pro, non? Ah, mec, j'aimerais tellement être professionnel sur un deuxième jeu déjà. Ce serait déjà tellement bien. J'ai fait 60 000 clochettes. Ok, je te crois. Personne n'y croit. Personne n'y croit. Alors, je vais pas vendre à Pollux parce que ce serait craqué, bien sûr. C'est quoi Pollux? Pollux, c'est le castor qui rachète les poissons 50% plus cher. Ah ouais, non, moi j'ai même pas Pollux. Bah, normalement, aujourd'hui tout le monde l'a, parce que c'est le 11 avril, tout le monde a le concours de pêche du printemps. Ah bah. Je sais même pas. Il est okay. Où le Tanouille? Alors, je suis chez Mélie Mélo. Mélie Mélo. On va moi voir. Aussi. Moi j'ai un 15 410 clochettes. Alors, je confirme. Que tu m'as éclaté. J'ai un 30 640 clochettes. Ah mais t'as pris du bois. Et ouais, j'ai tapé les arbres ah un ouais, peu. J'ai, mais je sais pas vraiment si ça, je sais pas trop combien ça rapporte. Ouais. Mais par rapport au temps que ça prend, je suis pas certain que ce soit ouf. Je pense que c'est mieux de pêcher quand même. À mon avis, c'est mieux de prendre le temps de pêcher. Ah ouais, non, tu m'as tué, frère. Du X2. Bah bien joué. Non, c'est vrai, mais je pense ouais, t'as raison. Je pense le bois c'est un truc parce que c'est une ressource que tu peux stacker, donc ça peut taper du 1000 clochettes. Ouais, non. L'avantage c'est ça, c'est que tu peux faire en 30 sur un seul slot. Et ça c'est pas mal. Ouais, parce que moi une fois j'étais sur une île, ouais, comme je t'ai dit, où il y avait des pêches. Il y avait 60 pêches. Ah ouais, c'est un fruit, c'est pas le fruit de ton île, ouais. Ah ouais, voilà. Bah oui, des fois t'as l'île ouais, où t'as énormément d'arbres avec un autre fruit, ouais. Mais je crois que ça peut être que ton fruit secondaire, parce que genre, je crois que c'est le deuxième ou troisième jour de jeu, t'as ta mère qui t'envoie... par oui, courrier, exact, bah c'était un même. Fruit, ouais. Et comme ça tu sais que c'est ça ton fruit secondaire, et t'auras, je crois, que ce fruit là sur les îles mystères. D'accord. En dehors de ton fruit, de ton île à toi. Ah ouais, t'as raison. Je crois. Hein. Pas non, mais t'as raison parce que j'avais une pêche. Donc en vrai, t'as raison. Ouais, t'as mais bon. C'est. J'ai connu plein de trucs sur le jeu, il est trop fort. Et ouais, bah écoute. Ouais, en même temps, écoute, on l'a. Mais on en même temps, j'ai tellement joué en stream, tout le monde me donne toutes les infos, je me fais giga vaccite aussi. Bon, moi je vais vendre tout ça, ça part. Bah, c'était marrant, ce serait marrant de voir ton replay et voir comment tu t'y es pris. J'ai regardé ça. Ah, bah, très très mal. On a kiffé. Bah, écoute, bisous, Harry. Merci ouais, beaucoup. Cool. Et quand tu peux refaire des petits trucs, on essaie de se faire des petites ambiances. Ça marche. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez d'autres idées de défis à faire comme ça contre quelqu'un, ou d'autres choses à faire qui peuvent être sympas en multi, tout simplement sur Animal Crossing. N'hésitez pas à proposer ça dans les commentaires. Je le ferai peut-être dans un prochain live ou simplement dans une prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Il y a des vidéos tous les jours à 19h. Moi, je suis en live tous les jours sur ma chaîne Twitch. Le lien de la chaîne est en description. Donc, je vous dis rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos ou de prochains lives. Salut tout le monde.